C'est une sacrée équipe que t'as là. C'est des types bien. Cet endroit leur donne une seconde chance. On les donne à tous une seconde chance. Pourquoi t'as quitté Boston ? Je me suis lancé dans une drôle d'aventure. J'imagine que c'est lié à cette gamine, mais... Tout est lié à cette gamine, mon petit frère. Allez. Vas-y, raconte. Elle est immunisée. Contre toi. Écoute, je le sais. Je l'ai vu respirer assez de spores pour tuer une dizaine d'hommes. Et rien. Je n'y aurais pas cru non plus. Mais je peux te m'attendre. Ok. Je te crois. Pourquoi l'amener ici ? J'étais censé la livrer aux Lucioles. Mais vu que ce sont tes copains, t'arrêtes. Tu peux finir le boulot et empocher la récompense. Ça fait des années que j'ai pas vu les Lucioles. Mais tu sais où ils sont. Je ne te demande pas grand-chose, Tommy. Je veux un peu de matos. Juste de pouvoir partir. Qu'est-ce qui se fait croire que je ferais ça pour toi ? C'est pas pour moi, Tommy. C'est pour ta foutue cause. Ma cause, c'est ma famille. T'es pas en train de me parler d'une promenade de sensé, là. Tu te fous de ma gueule. Demande à Maria de rassembler quelques-uns de vos potes pour le faire. Ils ont aussi une famille, mes potes. Tommy, s'il te plaît. Tu veux du matos ? Ok. Mais compte pas sur moi pour te débarrasser de cette gamine. C'est comme ça que tu me remercies. Te remercie. Pour toutes ces années où je me suis occupé de Mino. Occupé ? Non, mais tu veux rire. Tout ce qui me reste de ces années, c'est ce cauchemar. Tu as survécu grâce à moi. Eh ben, ça valait pas le coup. Je t'apporte le salut de l'humanité et tu oses jouer les petits frères pleurent leur char. On n'est plus à Boston. Si tu lèves encore une fois la main sur moi, tu vas le payer cher. C'était quoi ça ? On nous attaque. Tu sais encore tout un homme, non ? Ouais. Salut à tous les gars, c'est Babar et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Let's Play sur The Last of Us. Et on se retrouve donc à la centrale électrique avec donc notre frère et des bandits, voilà, tout simplement. Je vais avancer. Non, je suis ta mère. Non. Ah, je vais tirer. Voilà. Une hache, ouais, j'ai ma petite barre de fer. Hop. Mourez, bande de bâtards. Meurs. Attends. Oh, je l'ai raté. Voilà,
tranquillement. Hop, on sort l'arc. Là, on recharge. Tranquille. Me dis pas qu'il est mort. Non, il est pas mort. Oh, comment je t'ai eu. Comment je t'ai eu. C'est bon. T'as eu ta dose. Toi t'en veux. Tiens. Ouh, belle esquive. T'es mort. T'as de la chance alors. Y'a rien, on avance. Ok. Ah, je voulais sauter, on peut pas. Bouge de devant toi. J'ai tiré à travers un collègue, ça lui a rien fait. Ouh. Ah mais non, c'est Ellie. Oh. Ouais, ouais, ça va, vous avez rien. Détendez-vous un peu. Tranquille. Ça va ? Ouais. Ils arrivent à tuer les trucs à la fois. Et puis Maria a dit qu'il faut courir. Alors, on a plongé derrière cette table. Calme-toi, écoute. Je sais. Non. Il faut que je touche. C'est hors de question. Dis-lui d'aller trouver quelqu'un d'autre. C'est en rapport avec moi. Est-ce qu'il t'a dit où était le labo? On parlera de ça plus tard. Plus tard. Un seul faux pas et moi aussi je me retrouverai veuve, ok? Je sais pas quoi dire d'autre. Très bien. Maria. Vous. Si quoi que ce soit, si quoi que ce soit lui arrive, ce sera votre faute. Elle est reconnaissante. Ouais, je sais. Je vais emmener la gamine, t'as pas à faire tout ça. On va tout droit chez les yeux. C'est mieux comme ça, ça. Ouais, peut-être que tout ça finira bien. Faut que je parle à Ellie. Répète, j'ai pas entendu. Joël ! Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? La gamine, elle a pris un de nos chevaux et elle s'est enfuie. Vers où ? Viens ! Je viens de la voir partir par là. Retourne à l'intérieur. Va aider les autres à les trahir. Ok. Faites attention. Là, tu vois cette phrase. Quelle est bête celle-ci aussi. Oh là là, voler un cheval pour s'enfuir, quoi, y'a rien de pire. Tu sais pas où aller quand t'es toute seule, que t'as pas d'armes, que t'as rien. Tu t'enfuis pas, wesh. T'as vu dans quel monde tu vis, wesh. Reste tranquille, hein. Elle a pas froid aux yeux, ça c'est sûr. Waouh. Pas comme ça. Je sais pas ce qu'il lui prend.
passer par là. C'est sympa les petites balades en cheval comme ça. Je l'ai eu. Oh, elle était belle celle-ci, tiens. Ouh. Oh, non, non. Attends, attends, il y avait un gars là. Comment ça, je l'ai pas tué là? J'ai une balle. Oh, j'ai plus de balles de rien quoi. Vas-y mon, qu'est-ce que tu fais? Voilà, celui-là il me fera plus chier. Hop, toi tu meurs. 11-8, toi t'as fini de cramer, tout va bien. Toi tu meurs. Oh, je t'ai raté, toi t'as de la chance. Ouh, tu vas pas avoir de la chance longtemps, toi. Vas-y, arrête de frapper dans le vent. Qu'est-ce qu'il est bête ce joueur. Je suis là. C'est bon, ils ont eu leur compte. Il y a rien de cool ici. Il y a encore un petit garde là. Voilà. Ça y a plus personne. Et ça tombe bien parce que j'ai plus de balles. Mais c'est toujours ça de prix. Allez, je pense qu'on se... On se retourne là-bas, c'est ça. Ouh. Ah ouais, peut-être que... Ah lui, je l'avais bien eu. Hein. Fouiller les corps, ça peut être pas mal aussi. Ce qu'il en reste. Ouais, bon, allez. Salut. Allez, on se casse, joli jumper. Oula, oula. Faut
qu'on la retrouve là, ça va devenir inquiétant sinon. Wesh, je bug. Voilà. Bon, ok, maintenant on sait qu'elle est là, on sait qu'elle est en haut. Je fouille un peu hein. Mais ça a l'air franchement vide hein. Waouh. On va monter. T'es là? T'es où? Tu te douches? Allô, wesh. Voilà, je suis en train de... Oh, un petit setup au calme et tout. Là, là. Chez Lou, la garce. Ah, d'accord, ça communique comme ça. Super. Là, ouh, deuxième petit setup. Montage, hein. BNF. T'es là? Waouh. Oh, le mec qui est violent quoi, qui n'a pas le temps de niaiser. Bon alors t'es où là? Moi je se fous de ma gueule réellement. Oh, il a tout cassé quoi. Joël s'en bat les couilles. T'es là? Et il y en a encore plus à l'intérieur.
Bon. Toi, tu dégages. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire de bien? Déjà toi, à mon avis, t'es mort. Voilà. Ils sont avec moi. Ouais, y'a personne. Mais meurs toi. Je crois que la bombe je l'ai pas jetée au bon endroit. Par contre toi tu vas cramer. Je récupère ma bombe à clou. Je me soigne. Voilà. C'est bon. Y a plus personne. Et du coup, maintenant, tout va bien. Voilà. Facile. C'est bon. Bah elle a réussi à le voler toute seule, elle a pas besoin d'aide. Il est où leur laboratoire? À l'extérieur. Allez, le bigorne. Eddie, descend ton cheval. Prends-le à Tony. Je vais garder celui-là si ça ne dérange pas. Allez, ne m'oblige pas à répéter. Qu'est-ce que tu fais? Ta femme me fait un peu peur. J'ai pas envie d'avoir affaire à elle. Désolé de pouvoir donner le choix. Écoute, reviens en ville et on en discute au moins. Je me connais. L'université de l'Est du Colorado. Et où je le trouve, ce labo? Dans le bâtiment des sciences. Il y a un miroir géant, tu peux pas le louper. Prends bien soin de ta femme. Une place, passe-toi ici, ici. C'est. Je suis prête. Adios, mon frère. Oh, j'ai pas manqué de tête.
Ok les gars, et ben ça marque la fin de cet épisode, on va se laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la commenter si vous avez des choses à dire. Si vous voulez vous abonner, si c'est pas encore fait bien sûr, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça ne coûte rien et ça fait partager un petit peu de savoir, un petit peu de bon temps, voilà, enfin bref. N'hésitez pas. Sur ce, on va se dire. Ah, attendez. Est-ce que c'est tout pour cette vidéo? Ou est-ce que c'est. Oui, c'est tout pour cette vidéo. Désolé. Bon, allez, on va se laisser là-dessus. Sur ce, portez-vous bien. Peace.